On est parti pour Muscleur. Je vous rappelle les règles très rapidement. On va devoir faire des exos à chaque round. Comme c'est une session spéciale, c'est une session spéciale cette fois-ci avec des jambes et du cardio. Donc on aura un round où on fait l'exercice, un round où on fait du footing, on trottine pendant tout le round. Donc ça va être ça le concept. Un round d'exercice, un round footing, un round d'exercice, un round footing, etc. On a toujours les roulettes bonus malus, bien entendu, quand on perd, quand on gagne, qui ont été un peu changées, un peu modifiées. Et on n'a pas le droit à la chaise, on n'a pas le droit de s'asseoir entre les exercices. On fait 5 séries cette fois-ci, pas 4 parce qu'il y a un peu moins d'exercices, mais c'est du cardio. Et voilà, tout simplement. Donc c'est parti pour Musclor numéro 2. On doit changer de deck à chaque fois. Dernière petite règle, on doit changer de deck à chaque match. C'est parti, on va commencer avec un deck... commencer avec un deck STF, allez, soyons fous. Hop. Et c'est parti, premier round, on va faire le footing. Ok, on commence par le footing, histoire de s'échauffer. J'enlève le casque. Tac. Décale ça pour pouvoir vous voir. Allez hop. Alors, mulligan, on va garder ça, ça, on est contre quoi? Ok. On va virer ça et ça, et c'est parti. Petit footing, échauffement. Hop, fin du tour, 20 montées de genoux. On a fini les montées de genoux, on continue. Continue à faire notre footing. Bien entendu. Let's go, let's go. C'est du cardio. Ok. Alors la question, est-ce qu'on tue ça pour pouvoir passer le multiplier pour pouvoir... C'est pas terrible. Off, hein. On va faire une pluie de balle. Hein. Bon. Ok, tour 3, c'est juste du footing. Pas de chichi. Hop. On va jouer ça. Hop. Et... Mes trésors parlent d'eux-mêmes. Oh, équivalent boutiquier, c'est pas mal. Ok, 20 talons fesses. Hop. On va passer une attaque. Je vais vous faire gagner du temps. Pour pouvoir jouer le deuxième boutiquier. Et... Ok. Boutiquier. What? Candy Idol, ok. Eh ben écoutez, pourquoi pas. Hein. Jouer ça. Ok, on va enlever les runes de repos parce que les runes sont bien trop longs ici. Le prochain rune, c'est quoi? Un jumping jack. Et faire directement hein, parce que sinon c'est long. Ok ben va tuer ça. Ce n'est pas
Ok, fin du tour. On va mettre un peu la pression. Maintenant, on a 40 sauts tendus, ça veut dire on saute comme ça, on plie pas les jambes. Juste avec les pieds. Ok, on continue. Vous ne trouverez pas mieux ailleurs. Mais ça, on va attaquer quand même avec le boutiquier. Mon petit doigt me dit qu'on va bien s'entendre. Ok. Il a 7 points de vie, mine de rien. Oh, vous devriez pas m'énerver. Il a raté son allégeance en plus. Une ruine, ça nous sert pas trop. On va pas se mentir que la ruine c'est pas terrible. Ok, un baril. Soit tu te bats, soit tu nages avec les poissons. On va passer. Ah merde, j'aurais pas dû. Bon, on va faire directement ça. Parce que sinon on va perdre un de nos singes. Ok. Yeah. Ah. On va lui laisser récupérer sa ruine du coup. Salut Chielado, bienvenue sur le stream, ça va et toi? Alors ensuite on a Boxing Punch. Let's go. Pas Boxing Punch. On va jouer un truc comme ça. J'ai envie de tout voir. Aujourd'hui c'est pas trop dur, c'est un peu de cardio. C'est pas trop long normalement, c'est moins long que la dernière fois. Merci Babivel pour le follow. Bienvenue à toi sur le stream. Il commence à nous voler beaucoup de cartes par contre. Un peu embêtant. Merci Shelado pour le follow. Par contre, on a pas mal de dégâts qu'on peut passer ici. On va open attack. Yep. On va attaquer avec tout ici. Si on arrive à faire passer 2 points de dégâts, on a gagné. Et là, on doit faire 20 fins de sauter. Let's go. C'est embêtant. Embêtant un peu. C'est embêtant. Est-ce qu'on lui passe les 2 points de dégâts avant? Je pense que oui. Ça veut dire qu'on a juste à piocher 1 point de dégâts quelque part. Donc tant pis, on perd notre aise. On se rapproche d'avoir l'étal. On gagnera pas au res ici, c'est assez clair. On va faire ça quand même. Un point de dégâts partout, on va se débarrasser des cartes. Bon, maintenant, si on pioche un coup de saumon, on a gagné. On va aller au top deck. On va espérer l'avoir. Qui a dit que j'étais pas partageur? Mes amis! Let's go! Un petit top deck. Oh, c'est pas mal, c'est pas mal.
Alors on doit faire 6 sauts de grenouille. Go. Hop, on va piocher. Dommage, on vient de virer notre. Ok, c'est bon. On a nos coups de semence. Tout va bien. C'est gagné. Hop. La sécurité, c'est pas gratuit. Et voilà. C'est fini. Pour notre adversaire. Ah, il avait du soin quand même. Heureusement, il est pas tombé dessus. Heureusement, il est pas tombé dessus. Quand il voulait arrêter de jouer, comme ça on pourrait faire une mini pause. Yes, gagné. Mini pause. Quand vous avez gagné le match, vous avez le droit à une mini pause. Ok, et du coup on va faire tourner la roulette de la chance. Il va nous enlever un peu d'exercice. Tout simplement. Qui est ici. Roulette de la chance. C'est pas celle-là. Ouais, j'ai pas la bonne. Mais pourtant mis. Ouais c'est ça. Hop. Ok. Donc on a 3 rien et on peut enlever un exercice 4 ou 8 suivant là où on tombe. Moins 1, 4, 8 pour ce premier bonus. Ça veut dire que les exercices qui sont à 6 passent à 5, les exercices qui étaient à 20 passent à 16, les exercices qui étaient à 40 passent à 32. Ok, donc on va mettre à jour ça. Premier bonus, moins 1, slash 4, slash 8. Let's go. Courage, c'était sympa. Comment ça, courage? C'est pas fini, Kinata. 6 fois 2, ça aurait été de la chance pourtant. Ouais, mais non, on l'a pas eu. Contre Sloubi. Ok, on va passer sur un deuxième deck pour le prochain match. Et on va prendre... Du ceux qui endurent, allez. Du coup on est reparti, on trottine, prochain exercice du coup c'est 32 fréquences de jambes, c'est-à-dire qu'on va devoir faire très vite. Go! On trottine. Alors on va garder tac tac. Est-ce qu'on garde ça? Oui, on sait jamais. Et go! Ok, 32 fréquences de jambes. Ok, c'est bon. Est-ce qu'on joue Elise? Ouais, je pense. On est tour 2, du coup on passe sur la deuxième série. La deuxième série, déjà. Et du coup on a 16 montées de genoux. Let's go. Ok, et on attaque. Ça va être plus simple que la dernière fois si on gagne. La dernière fois on a perdu donc c'était chiant. Et au croco dans ceux qui endurent. Non, il n'y a pas croco qui n'attaque. Il n'y a pas croco dans ceux qui endurent. On va arrêter avec ce croco. On va jouer ça. Ça au prochain tour on ira chercher cette... Alors on est tour 3. Tour 3 c'est 16 talons fesses. Et on va passer. Ensuite on a 16 jumping jack. Ok. Du coup si on tue ça. Yep, ça devrait être bon. Ok.
C'est pas mal. Adversaire en sueur, effectivement. Adversaire qui pleure. Et oui. Pas si vite. Ok. Venez par ici. À Versailles, ça. Go. Votre souffrance sera brève. Rajouter des araignées. Ok, il va protéger ses cartes. Très bien, c'est pas très grave. En soi. On va passer. On va passer. Alors s'il attaque pas direct, on va pouvoir poser Kaïsta. Qu'on va l'embêter après sur la défense. Et tour 5, tour 5, c'est 16 sauts tendus. Ok, on pose Kaïsta, continue de jog, let's go. J'abandonne, je suis crevé déjà. Aïe aïe aïe. Et à peine à la deuxième série. Allez, allez. Continue. Vas-y, fais-moi peur. Bloqué ici avec nos deux araignées, je pense. Sans trop de soucis. Elle était si jeune. Ok, on va faire évoluer. On va faire évoluer la Kaïsta au prochain tour. Grâce à l'autre gardienne. Tout se passe bien. Yep. On est tour 6. Tour 6 c'est. Ils paieront pour leur infamie. Prendre de bunching punch. Boxing punch. Ok. 32. Let's go. Kaïsta est up. Ça c'est cool. Ok, on va aller chercher les dégâts. Comme ça, comme ça, comme ça. Non, comme ça. Et comme ça en fait. La forêt m'appelle. Ok. Salut Trisken. Tu ne m'échapperas pas. Trop pas mal le Batchnat, ouais, il a l'air pas trop mal. Effectivement. Batchnat, t'as l'air pas dégueu. L'adversaire nous fait trottiner, hein. Il veut pas passer. Il rope. Du coup, trottine un max. Ça fait partie du jeu. Ok, pourquoi pas. Pas que ce soit très dérangeant. Ok, pas non plus. Pas très dérangeant. On a l'étal, il a plus de mana. Je pense qu'on va tenter le létal. Ah non, on n'a pas l'étal. Je suis bête. Et il abandonne. Ouf, j'ai pas vu qu'on avait misplay. Et c'est une victoire. Petite pause, roulette des bonus. On va diminuer encore la difficulté pour la suite. C'est parti, roulette des bonus. Et ben rien, pas de bonus, très bien. Comme ça. On continue, on en est déjà au fin de sauter. Elle va passer crème cette séance, ouais, elle va passer crème si on gagne comme ça. Elle va être beaucoup plus simple que celle de la dernière fois. Let's go pour du Elusive Burn. Pour le prochain match. Après j'ai fait exprès de perdre 2400 places hier pour pouvoir avoir une séance de muscu plus facile, hein. Faut quand même le dire. Allez, on continue à trottiner pendant la recherche de partie. Hein. On triche pas. Et donc, prochain, c'est fin de sauter. 16 fins de sauter, puis 5 sauts de grenouille. Ça devient trop facile, là. Je suis désolé, je gagne, je gagne.
Plus rien. Ouais, la modif d'Anivia, elle sert pas à grand chose, on est d'accord. Bientôt un corps de rêve, bientôt, bientôt. Quelques mois à faire ça, ça sera bon, hein. On sera pas mal. On va dégager ça, on va aller chercher quelque chose de mieux. Ok, c'est un peu mieux, c'est pas extraordinaire. On est déjà au tour 1, on va commencer à faire les fentes sautées. Ok. Donc tour 1 c'est bon, tour 2, ça va être 5 sauts de grenouille. On va jouer ça d'abord. Yep. 5 sauts de grenouille. Ok, on continue. Faites silence, la mort s'en vient. Allez, c'est passé ça. Bien sûr, parce qu'on a un deck aggro. Tout ce qu'on veut, c'est agresser. Et prochain tour, c'est 32. Fréquence des jambes. Parabile. Guardian l'a mis le lien du patch, masse-moi le dos. Bien sûr, on pourra le mettre. Ok. On joue ça à 32 fréquences rapides. Ok. Et on attaque avec tout. On continue de trottiner. On a fini. Ah, celui du 19 juin, non. Celui qui va arriver. Du coup. On passe à la troisième série déjà. Ça va, c'est pas trop dur aujourd'hui. Let's go. Troisième série. Sans la défaite là par contre. Hein. Notre adversaire a pas mal de réponses. Pas mal de grosses cartes aussi. On va devoir mettre ça pour bloquer. Je pense. Pour éviter de faire détruire ici. On va quand même prendre des dégâts. Hein. On va bloquer ça. Tout de suite. On est tour 4. Tour 4, c'est donc. Laisse monter, John. Ok. On va piocher. Essayer d'aller chercher des solutions parce que là, on se fait un peu trop agresser. Malheureusement. Ok. On va passer 4 points de dégâts, 16 talons fesses. Fait qu'il a du soin. Ça c'est pas bon pour nous. Fait qu'il ait du soin comme ça. On va mettre des défenses. On permet d'éviter. On passe trop de soins. Et on passe à 16 jumping jack. Ok, on va laisser 3, on va bloquer là. Ok, il va se soigner un peu. Il va quand même prendre plus de dégâts qu'il va se soigner. Donc ça nous va. On va tenter ça. Ça, ça passe, c'est vraiment cool. Ok, il y a 7. Pas si bien que ça. Ouais, ça marche. Ah, ça c'est un peu chiant. Par contre, il va pouvoir se soigner de 2. Si, non, même de 4. Ouais, ça fait un peu mal. Malheureusement. Et je crois que on n'a pas le choix. On va jouer ça. Pour avoir un insaisissable de plus. On va essayer de l'achever. Prochain tour, mais ça va être limite. Et il y a 4 points de vie. Et on va faire
32 sauts tendus. Ok, on va attaquer avec ça. La nuit. On va les booster, je pense. Là, ça fait 5, 6, 7, 8, 9. On va laisser comme ça pour l'instant. On va voir ce qu'il fait. Salut Marcus, bienvenue sur le stream. Alors il décide de tuer sa carte pour soigner. Il va nous passer 2, il va soigner 3. On va essayer de faire ça. Ok. À 12, il sera à 1 point de vie. Merde, s'il a un boucher, il a gagné. Il a un boucher, il a gagné. Il a l'air d'avoir de boucher. On va faire fin de tour, on va voir. Il a moins de trucs pour tuer une carte, il a gagné malheureusement. Ok. On va tenter ça, hein. Du coup là on a affaire, on a gagné et on avait affaire 32 boxing. Ok. Bon, du coup on a gagné, on va encore avoir la roulette de bonus. Cette séance va être beaucoup plus facile que la fois dernière parce qu'on fait que de gagner. Alors que la fois dernière on faisait que de perdre. Ça l'avantage aussi hein. Faire, Musclor, c'est que on a un peu de chance, c'est pas trop dur. Un nouveau moins 4, moins 4, moins 8. Dès que la séance va devenir vraiment facile, on va faire une séance relax. Aujourd'hui, ça va être pour la reprise. Du coup, notre nouveau bonus sera un nouveau moins 1 slash 4 slash 8. Let's go! Et on en est au fin de sauter. Donc fin de sauter, ça veut dire on va être à 12 fins seulement. Ok. On va changer de deck. Et on va passer sur... on va passer sur... Frostbite Control. Allez, let's go. Salut Néo TV, bienvenue sur le stream. On va ça faire chaud quand même, hein. Pas vous, mais on commence à avoir un peu chaud. Enfin, on a presque gagné 1000 places déjà. Pas mal, hein. Ok, premier tour. Donc, 12 francs de sauter. Ok. Tu sais qui est encore en train de faire la séance là dans le chat? Dites-le moi. On sache qui fait la séance vraiment et qui se marre seulement de nos souffrances. Moi, Kinata, il fait toujours la séance. Yes. Kinata, fidèle au poste. Moi, Guillon aussi. Ok. Guillon également. Il n'a pas commencé. Lantrin aussi. Ah, Herb qui fait également la séance. Ok, tour 2. Du coup, c'est plus que 4 sauts de grenouille. Ça va, c'est facile. Easy. Easy. On va faire fin de tour ici. Ok. Le piège est posé. On est tour 3. Tour 3, c'est... Du coup, moins 8, moins 8, moins 16. 24 fréquences de jambes. C'est fait. Je vous soutiens tous moralement. C'est bien, c'est bien, c'est déjà ça. Ouh.
On s'est vraiment pris un rayon thermique sur cette pauvre petite créature ridicule. Je pense que ça me va. Ok, on passe donc à la quatrième série déjà. Il reste plus que deux. Easy. Easy, easy. Et donc 12 montées de genoux, let's go. Ok. On va... je laisse ça. Le fond de l'air est frais. Pas qu'il nous embête. On va jouer ça. Et fin de tour. Pousse talon fesses. Ok. On va jouer ça. Histoire d'essayer de lui passer un peu de dégâts. Perso, je bois mon café. Posé. Moi, je bois de l'eau. Je suis posé. Aussi. Du coup, est-ce qu'on a fait notre tour 5? Oui. On a déjà fait, je crois. Je sais plus. Je crois que oui. Prochain truc, ça sera 12 jumping jack. Moi, j'ai pas baissé les reps, sinon. Ah, Nicolas, il fait sans baisser les reps, carrément. Je rigole pas, quoi. Je rigole pas. Nous, on a fait la version relax. Alors, que fait notre adversaire? Ici, on va passer 8. On va passer pas mal de dégâts, sauf s'il a des solutions. Essayez ça. Yep. Tentez de protéger ça. Ah, si on peut passer les dégâts. Merci, Xaxio. Xaio 35 pour le follow. Bienvenue à toi sur le stream. Purif. Ok, ça coûte cher hein, sur une carte. Alors oui, il limite 5 de dégâts, mais ça coûte cher mine de rien. Après, on n'a plus trop de réponses maintenant. La suite, c'est un peu de la merde ce qu'on a. Heureusement, on a un peu de pioche avec ce guetteur. Ici, on va être obligé, je pense, de se débarrasser de ces cartes. Sinon, ça va être chiant. Yep. Ça ne nous gêne pas. On va faire une hécatombe. Histoire de se débarrasser de la luxe. Ensuite, on a... 24 sauts tendus. Très bien. Attaquer avec ça. Ok. Adversaire est à 7. Pas si mal. Ouais, je suis partant. Jouer ça pour aller chercher d'autres Yeti. Est-ce qu'on a envie de jouer ça? Non, je pense pas. On va passer. Ok. Ensuite. 24 boxing punch. Let's go. Ça, c'est pas boosté. Ok. On va geler ça pour pas qu'il attaque. Comment ça suit dur, ouais. Comment ça suit un peu. Ah, Heimer dingé. Très bien. Ben ici, hein. Je ne me prosterne devant personne. Essayez de passer les dégâts au prochain tour. Voir ce que ça donne. Heureusement, c'est bientôt la fin déjà. Cette séance, elle fait suer un peu, mais elle n'est pas très longue. Heureusement pour nous. Sinon,
C'est un peu la galère. Et il a commencé à faire des tourelles, mais il a plus que deux cartes en main. Donc ça, c'est pas très grave. Et ensuite, on a 12 fois de sauter. Et let's go, 12 fois de sauter. Ok, on va jouer ça. Notre force est la vôtre. On va voir ce qu'il fait. Au pire, il nous fait un rayon thermo dans notre droite séjoignée. Mais nous, on va piocher plein de cartes derrière. Et non, commémoration, ça nous va. Tu en es où avec ta recharge de PC? C'est bon, j'ai commandé. J'attends qu'il arrive. Et c'est commandé. Ok, on se refait une main. Puis, ma foi, on va attaquer. On va attaquer avec, avec ça, seulement. Mais, déjà, cool ça, effectivement. Et alors, la commande doit passer aujourd'hui, il y a quelqu'un qui doit passer le livret. On va espérer qu'il n'y ait pas d'autres commémorations. C'est vrai qu'une autre commémoration là, ça serait un peu chiant. Mais bon. Quand s'il pouvait jouer un peu plus vite, ça nous arrangerait. Parce que mine de rien, moi ça fatiguait. Un petit peu. Alors, au moins on va tout geler. Non, on va pas tout geler malheureusement. À ce tour là. Et au prochain tour, on devrait pouvoir geler des trucs. Encore 14 points de vie, donc on n'est pas si mal. Faut espérer qu'il... Ah merde, il avait une gardienne. Ça c'est un peu dommage. Du coup, il va pouvoir se soigner. Après, il a presque plus de cartes, donc s'il pioche pas de la pioche, il va quand même finir par être mal. Yes, il a pioché de la pioche. Nickel. Donc ici, on a à faire... on doit faire... 4 sauts de grenouille. 4 sauts de grenouille. Ok, on va jouer ça. On aura du bloqueur. Ça me semble pas trop mal. Et mon Tekken, quand il va arriver, quand il sera là. Normalement, je reçois les tournevis que vendredi par contre. Il faudra que j'attende les tournevis. Sinon, ouais, c'est quand il va monter. Quand il va arriver. Ça commence à être tendu cette histoire. On va jouer ça pour piocher des cartes. Ça, s'il attaque, on va aller chercher des solutions. Et puis, on va jouer ça. Ça va avoir un bloqueur en plus. Yep. Puis il décide d'attaquer qu'avec ça. Au prochain tour, on est mort. Si jamais on trouve pas des solutions rapidement. C'est un peu la misère. Bon. Ce qu'on va faire. On va remplacer ça par ça déjà. Pour avoir de piocher des solutions. Et puis on va attaquer avec tout. En mettant... on met ça en premier, ça en deuxième. Et après, peu importe. On va voir comment il s'en sort. On a fait ce tour-là. Non, on n'a pas fait ce tour-là. Du coup, c'est 24 fréquences de jambes. Ok. Alors, on est un peu dans la panade. Et au moins, on se débarrasse des élusives. Ça, c'est pas mal. Alors, il fait des trades favorables. Hein, tout le long. Et ça c'est cool, on a double H. Double H du coup qui va pouvoir geler un peu les adversaires. On va jouer ça. Pour l'instant. Ensuite on va jouer la H. Ok. C'est quand même pas très bien. Hein. On risque de la perdre celle-là. Heureusement. On va attaquer la dernière série. On va attaquer la dernière série. Donc même si on la perd, c'est pas si grave. On n'aura pas tant d'exo boosté. Ça va. Ouais. C'est chiant. Même si on en gèle une, ça marche pas. Malheureusement. Je pense qu'on a perdu ici. Yep. Parce qu'on peut bloquer que deux. Et donc...
On va attendre de voir ce qu'on pioche, mais je pense qu'on va abandonner là. Et du coup, pour la dernière série, on va prendre notre défaite. Effectivement, on a perdu. On va abandonner. Et on va aller chercher notre défaite. Roue de la fortune, mais cette fois-ci en défaite, ça y est, première défaite. On va commencer à monter un peu. Et c'est parti. Ok, on a eu le plus simple parmi les trucs, c'est plus 3, plus 10, plus 20. Ce qui va, c'est pas trop dur. Ça veut dire que par rapport au début, on est en plus 1. Plus 3, 10, 20. Ça veut dire que par rapport au début, on est en plus 1, plus 2, plus 4. Par rapport au truc de début. Boire un coup, effectivement, pensez à boire un coup. J'ai vu le patch note vite fait, ouais. Ok, c'est parti. Donc plus 1, plus 2, plus 4 par rapport à ce qui est écrit ici. Tout simplement. Ça reste relativement easy. On va jouer un deck. J'aimerais bien jouer un deck qui joue vite. C'est Massia Agro. Ok. Donc on va avoir 22 montées de genoux. Let's go. Enfin, il a l'air pas mal le patch. Il a l'air pas mal. Hein. J'ai pas regardé en détail. Et il a l'air pas trop mal. Première vue. Tac. On va passer là-dessus. Moi, ça transpire sacrément quand même. Mine de rien. Ok. On risque de la perdre celle-là. On va garder comme ça. Et du coup, 21 montées de genoux. Pardon, 22 montées de genoux. Vous avez fait 21, vous avez triché, vous recommencez. Je reviens pas d'être ici. Où est-ce qu'on a trouvé le patch? C'est sur le site thaïlandais. Quel patch? On va essayer ça. Reste de nous tuer. 22 tas en fesses. Je vois jusqu'à la frontière des Massiennes d'ici. Ok. On va attaquer avec tout. Chargé. Ici. Ah, ok, il avait un gel. Très bien. Il dérange pas trop, je crois. Un peu chiant, mais ça va. Bientôt, on a mis fortune. Du coup, ici, c'est 22 jumping jack. Et Gloom. Vous cherchez les ennuis? Je crois qu'il va. On va espérer qu'il n'ait pas de thermo ni d'enthousiasme, ça m'étonnerait. Ouais. C'est un peu sûr, hein. Bon, c'est pas grave. On va accepter les dégâts ici. Ok. Et on va jouer ça. Voir déjà ce qu'il fait. On va commencer à mettre du board. On est sur le T4. T4, ça veut dire quoi? Ça veut dire on doit faire des sauts tendus. 44. Hop, tac, let's go. Il est plus, ils ont supprimé le patch déjà. Ah merde. On attendra ce soir du coup pour le voir la version officielle. Yep, ça me va. On va passer un peu de dégâts, on va pouvoir poser du coup notre bourreau. Au prochain tour, on va jouer le Bannerman. Alors ensuite, c'est 44 boxing punch. Ok. On va jouer ça.
Ok. Très bien. Alors ensuite c'est 22 fentes. Let's go. Très bien. On va mettre ça. Merci Injal pour le follow. Bienvenue sur le stream. Merci beaucoup pour le follow. Ouais, j'ai fait 40. J'ai pas fait. Ils sont tendus, ouais, j'en ai fait 40. Je crois, hein. Ouais, ouais, j'ai fait 40 sauts tendus. Pour recommencer, c'est que 37 au lieu de 40. Non, non, il y en a eu 40. Hein. Faut vous en faire 3 bonus si vous voulez. Mais... voilà. On a bien eu 40. Ça, c'est un peu chiant, mais je pense qu'on va quand même passer l'attaque. Voir ce qu'il fait. On commence à être dans le mal ici. On commence à prendre l'avantage sur nous, mais il n'est plus qu'à 6 points de vie aussi. Donc, c'est pas si mal. Ensuite, on va avoir du coup 7 sauts de grenouille. Ok, on va jouer ça d'abord. On va essayer de passer les dégâts. Il est à combien lui? Merde, il va évoluer. Ok, et avec. C'est la vie. Il va forcément utiliser ça, donc on va attendre avant de poser la Miss Fortune. Ok. Ok, il est up. Malheureusement pour nous. Mais de toute façon, on arrive à la fin de la séance presque. Donc c'est pas trop grave. Ok, fin du round. Qu'est-ce qu'on va piocher? Pas terrible. On va attaquer direct, je pense. Attaquer comme ça. On va voir s'il arrive à bloquer. S'il laisse passer des trucs ou s'il nous tue. Donc on doit faire 44 fréquences des jambes. Ok, ça va être la fin. On a fini la série. Fini juste en trottinant jusqu'à la fin de la partie. Histoire de relâcher un peu le tout. On va voir si ça suffit à tuer notre adversaire. Je pense que ça va être un peu limite. Je pense que malheureusement, on va perdre ici. Dommage. On va faire vu qu'on ait un petit boost. Yep. On a pas de quoi protéger ça, il prend des risques. Hein. Parce que si on avait de quoi protéger ça, il était mort. Tout simplement. Impossible. Ok. Ah, il a déjà 6 points de dégâts au prochain tour. À moins de piocher quelque chose pour se sauver de ça. Malheureusement non. Une Senna. Donc là, il suffit qu'il ait un sort en main et il a gagné. Je pense que c'est la fin pour nous. Yep. Je pense que c'est perdu. Effectivement. Ah, fin. Voilà, petite séance. Assez rapide aujourd'hui, séance de cardio. Si vous trouvez ça trop facile, n'hésitez pas à rajouter des séries. Hein. Je pense que c'était un bon niveau, c'était pas trop long. Pas trop court non plus. On a suffisamment fait de cardio. Transpire à grosses gouttes. C'est pas vous. Merci, c'était top. Kinata qui a fini la séance. Fini pour moi. Plus simple que la semaine dernière, mais bien en sueur quand même. Ouais. C'est plus simple que la semaine dernière, mais c'était du cardio. Un peu trop facile, un peu trop facile. Faut dire aussi qu'on a gagné. Hein. Faut dire aussi qu'on a gagné. Juste BBTV qui dit ça, sauf que Juste BBTV a pas participé.
Il n'a pas fait les exercices. Je pense quand même qu'on a pas mal sué. Personnellement, j'ai bien sué. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Si vous appréciez le contenu de la chaîne, n'hésitez pas à lâcher un petit abonnement, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et si vous voulez encore plus de contenu, n'hésitez pas à venir me voir en live tous les jours de la semaine de 9h à 13h sur ma chaîne Twitch. Salut à tous.